Le quartier Kongo-Yatsika se trouve sur la partie sud de la cité de Kassindi-Loubiria, située à plus de 80 km de la ville de Beni. Ce quartier a toujours été déclaré faisant partie du parc national de Virunga. Hier jeudi, les gardes du parc se sont mis à interdire les paysans qui s'adonnaient à entretenir de nouveaux champs dans cette partie. Les gardes du parc, pour eux, il est inconcevable qu'après l'ultimatum de 3 mois lancé par l'ICCN à l'endroit de ces agriculteurs, ces derniers continuent à ériger de nouveaux champs dans les parcs. Rappelons que le quartier Kongo-Yatsika reste le plus marginalisé dans cette cité, car étant privé sciemment d'eau potable, d'électricité, cela suite à sa situation à l'intérieur du parc de Virunga. Pour tenter de résoudre cette question, Emmanuel Demeraude, directeur général de l'ICCN, a été interpellé à l'Assemblée nationale pour s'exprimer sur la problématique de la limite entre le parc et certaines entités de la ville et territoire de Beni. L'auteur de cette interpellation, le député Daniel Moussemo, élu du territoire de Beni, parle ici d'un espoir pour une solution durable et définitive à cette question. Emmanuel Demeraude devra s'exprimer devant l'Assemblée nationale le mercredi prochain. Les conflits liés à la limite du parc entre l'ICCN et la notabilité locale a déjà causé plusieurs morts, blessés et plusieurs autres arrêtés, sans oublier la destruction des cultures dans les champs et l'incendie de plusieurs habitations des agriculteurs. Depuis Beni, Fiston Mbalarousse pour B1 TV.